Bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est Congo News 24. Bande Konanga, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu, nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une, chers téléspectateurs, on va commencer cette émission Bande Konanga. Et ça sort mon bande Konanga. Fachi a dévoilé tout sur Rwanda et s'est dit poignardé dans les dos par Kagame. Fachi, ma solo toi bêta qui bande Kozo Bimakaka. Ma question va tout na qui est. Si Rwanda Fachi a lobby, que en tout cas ça lui est passé. Comme mon attitude a bouillé. Et Zambawa, il a tout dévoilé. Alors, tous à la connecter, tout au développement en émission. Deuxième point, chers téléspectateurs, au Balouaka, l'urgence. Situation tendue sur les lignes de front entre FARDC et le M23. Et Bokoyoka, FARDC est toujours à 2 km de Bunagana Kibaya. Basa stand-by. Kalate, Bokoyoka. Alors, tous à la connecter, peut-être qu'on développe une émission. Troisième point, chers téléspectateurs. Boyoka, interview du ministre belge d'État, Flao, sur guerre FARDC M23. Les FARDC ont repoussé les M23, armée rwandaise, à 2 km de Bunagana. Alors, Boyoka, réaction belge. Bande Koboko, comme vous prenez les gars, Kézali, complot. Ezaya kuyinda esi eyindi. Chers téléspectateurs, émission Abissé Bandi, et comme étant sur l'ensemble la situation politique Nambo Kanabiso, Yepsande Konyon se place à Zali, Tangwe Kouki, les temps Oyo ensemble, Tosolula, Masolo Yamboka, Toye Bandegenin Munguna Oya Kote Libiso, Tomeka Kubenganae. Bandeko, émission Mobimba et assure où ils ont passé dans l'Est. Pour y assurer, ah non, et ça n'a pas si. Bouyok interview, y a ministre d'État belge. Bouyok, comment les complots internationaux les a bien organisés. Mais toujours à la pointe. Alors, premier point, Bandeko, Fachi a tout dévoilé. Si Rwanda et comment Kagame a poignardé Namoko, comment a poignardé dans les deux. Alors, biloko wana nyonso et sali pena propriété. Fati a zo regretté parce que il a dit ceci. Quand je suis arrivé au pouvoir, na linga ki les 9 pays voisins, pas seulement Rwanda, tous ala na bon voisinage. Wa mission a fachi, et puis mission moua kitoko pour na homme d'état. Mais ce qui s'était passé, ma kamounyo su eleki, et ça l'est bien dit. Kozamboka, y'a un conseil aux anabango, il fallait ba yeb sao déjà tatawana. Tatawana za mystique. Alors, fachi a regretté, ça n'est pas si. Il y a des gens qui ont le pouvoir. Le pays est frontalier, tout ça, bon voisinage, mais il faut respecter l'intégrité territoriale. Mais alors que Rwanda va bon côté. Rwanda va être en défense. Et pas Fachi, monsieur, ah, bah, personne ne va me botter. Non, moi, dans les réseaux sociaux, je vais faire des photos, monsieur, na Fachi, ma Oseka, et tout ça. Fachi, il y a tout ça, na problème. Alors, mais, Bango lokola bazana posaka kabari sous. Et comme leur économie, ils ont poussé kabango ke ba persévéré tid, mon boule de ces akan d'instabilité. Yango nyos to vivre. Mais ba konjambo kabaza déterminé communauté internationale bazo boule. Communauté internationale sa konyingana. Toujours à la pointe. Alors, le président de la République a lobby. Ce n'est pas possible.
Kagame l'a poignardé dans les deux. Donc, Fatia Katsev, Kolim, c'est tout le passé, donc bon, c'est tout le mec qui travaille. Mais non. Bapé, monsieur, ça va. Mais il y a Penza, Mawato. Alors, ce qui doit comprendre, ce qu'on tali, même mouvement, on a tout, au Makama Sali Fati, mouvement, bah, rebelle, en tout, bah, ça tout, la plupart, bah, M23. Il n'y a pas même assez de Hutu dans ces mots. Que la mission était bien préparée, mais, bah, ça n'a problème. Alors, maintenant, tu as comprendre que Fatia a dévoilé Nini. Fatia a dit Nini dans le Congolais. Si Rwanda et Kagame. Quand tu as un message, tu as très bien parce que Isama. Fatia a dévoilé tout si Rwanda. C'est dit poignardé dans les deux par Kagame. Félix Tshisekedi s'est dit poignardé par Kagame après 3 années des excellentes relations. Et ça y est, une excellence de mon Konzamboka. Et ça y est, une hypocrisie. Sur fond des tensions diplomatiques et sécuritaires entre la République démocratique du Congo et son belliqueux voisin, le Rwanda, le président congolais Félix Tshisekedi a accusé de nouveau Kigali de ne pas jouer un franc-jeu. Félix Tshisekedi qui reconnaît avoir entretenu 3 ans durant des excellentes relations avec le président rwandais confie être poignardé à cause du soutien de Kigali à la rébellion de M23. Soutien Oyo et la rébellion Yangonde Oyo Kaka Fati l'a dit clairement être poignardé. Ndenge ba tout à la bangouana ba genoua na tout. Armée, il y a M23. Alors, ce qui est au talent de Biloko, et ça m'a ba conseiller à Fachi. Moi, j'ai un message à Congolais, je vais commenter. Tata wana. Bino, je vais conseiller, il faut que je mette à boule, je vais mettre à mon conseil. Moutouyo, il faut que je vous aille. Moutouyo, oui, tu es pas qu'il est passé là. Fatia kanisa ba ko construire route mwa kitoko. Makambote maki wapi na Royaume-Uni. Félix Tshisekedi qui répondait à une interview au Royaume-Uni dans reconnaît que ce lien avec Kagame avait marché pendant 3 ans. Les relations étaient excellentes. Nous avons dû revoir tout cela, arrêter tout cela parce que nous avons eu l'impression d'avoir été poignardé dans le dos. Donc, Fatia Kati, ba contra makambo, tout ba sona ba rwandais, tout Rwanda et Rweba qui t'a grand territoire, absolu, tout Fatia Anilem a déclaré le président qui juge inacceptable le comportement du Rwanda. Félix Tshisekedi rappelle son initiative dès son arrivée au pouvoir d'entretenir les bonnes relations avec les 9 pays voisins de la RDC en développant les projets communs. Je suis allé voir tous nos voisins. Abia Tambola qui n'a pas payé nous soit comme on a baninga. Nous avons 9 pour leur dire. Je veux que nous engagions nos relations avec des programmes de développement, des projets qui vont être d'intérêt commun à nos 2 pays et à nos 2 peuples. Voilà chaque pays, Kaka Rwanda, les 9 pays, pour évidemment évoluer, aller vers le développement, sortir notre sous-région de cette image qu'on lui colle de violence, d'instabilité, d'insécurité. Voilà ce qu'il na Rwanda. Kinshasa avait auparavant autorisé la compagnie aérienne rwandaise de desservir plusieurs destinations à RDC. En mars 2022 a ressurgi la rébellion du M23, battue par les forces armées de la RDC en 2013 et dont les hommes avaient été cantonnés au Rwanda et en Ouganda.
batwana basaki na Rwanda na Uganda tango makanda 2013 babengana kiba don basaki na bangoka standby bien préparé et dont les hommes avaient été cantonnés au Rwanda et Uganda. Les experts des Nations Unies ont documenté l'agression avec des preuves sur l'engagement des militaires rwandais à l'intérieur des frontières congolaises, combattant aux côtés des terroristes du M23, comme les qualifie Kinshasa. Et ça possibilité. Bandeko Fatia sont regretté Makasi. Et ça mawa. Allo. Tolo bangubon après Tokoyana Nicolas Kasani. Tomeka ko développer. Bandeko Fachi et Sali et Passi Makasi. Andima kiti. Mais nous sommes au peu de faute dans ma conseiller à Fachi. Ma conseiller au Bazaki ou à la Libosu. Boyebi voisin de Ngazali. Mon conseil, bien au bozo tambour, bozolana peuple, bozolana batu, bozolana boyebana batu, ma congolais ma pèse un message dans mes infos. Que tata en azan mystique. Bon, il y a l'air, il y a mon conseil. Fouachi a tambour dans les 9 pays voisins. Mission est claire. Tout allait bien. Mais yé, habite, gâte, pan, pan. M23, na kate maso, na mboka nebiso. Alors, Fouachi a tali, y a un walou, non? A du ma décision, y a ma kasi. Ba annule tout. Oyo kaka nyonso. Et longwe, tout va kati, va annuler tout. Donc, si tu comprends, va contraindre. Na ba Rwandais, ni tout tangiwana, na mousseuse ba relation, tout va kataki. Fatia biwaza soumou tout ti, ya okupere na yo. Il m'a poignardé dans les dos. Alors, voilà. En tout ça, ce que zo tala, au moins que mon kilo est zaga mabi, ce que zana moutou, zara maheli. Et surtout dans le monde politique, Mokonza Mboka, tala na liso à gauche, y a droite, tala batu wana bien. To yebi kezaki erreur, kozana batu. Bon, to kolo be erreur, mais Fachi zaki a mona ki to zala ensemble. Mais, to zo mwa diete Mokonza sa ki erreur, kozana moutou. Ba conseiller, en tout cas, bofungula misu na moutou nyon so azo koopere na Mokonzi. Bo yebi si Mokonzi, ah, moutou wana. Fachi pas au comprendre, ah bah conseiller bah il singa c'est qui, situation est ça. Donc c'est ça, parce que monde comme mystique, c'est un monde politique. Même bon bah ça la carte à RDC banguna Congo, bah conseiller botala banduki à Congo très bien bah zoya pembe na Fachi botala bango. Bon il s'en constate monteur mystique. Et là on bon bate, bah c'est belé. Alors en tout ça. Tout ça a besoin de moquer ça la bien. Donc on continue à faire ma camboie, tout le monde a un scénario. Le peuple à l'est va continuer à souffrir, mais il faut ma camboie ici là. Mais tu es bien que tu es au coma na pointe. Pourquoi? Tout ça qui est directement na pointe. Le ministre des Finances, à l'égard qui na briefing, batignon sur Bayoka qui est na étendue. À l'obi na zob mbongo zobi ma ko sakana te pour la sécurité à l'est. A bon mité na ba Congolais, bo yo ka dépense, o yo gouvernement ba so sal. Before wana nyonso, to félicite mon tu pas o koma chèk. Kaza de zara bonne volonté, a misi mbongo, po na est. A lobya mouna briefing, parce que ba Congolais belé, tan bozo mouna makambo bo bozo e bate. Ndeni ba mbongo zo bima, il a tout dit. Tombe ka kotanga, bandiko. Ah, tu t'es à titre, mais, biso tu t'es à l'ouli sous na, n'est pas commis, parce que place à l'outil en exacte, tu t'es à l'ordinateur pour que les Congolais ne comprennent, bah, dépense l'État basale. Agression dans l'Est, les dépenses effectuées dans le secteur de la défense ont été multipliées en 2010, par 10, je m'excuse, ont été multipliées par 10 en 2022. Donc, la dépense où il y a armée, tant que vous avez après FCC cash, bah, tali, bah, non, armée, quoi, ça l'a pour été.
la loi de la programmation militaire. Allez, Nicolas Kasadi, Mbalamoko a dû décision. Il y a Makambo Nyonso et Mbongo Epima sur Makambo Oyo Nyonso. Alors, le ministre des Finances, Nicolas Kasadi, a indiqué lors d'un briefing des restitutions des décisions prises à la 74e réunion du Conseil des ministres de vendredi dernier, conjointement animé par le ministre des Communications et Médias, porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya, que les dépenses effectuées quotidiennement dans le volet sécuritaire coûte l'énorme au trésor public. A l'imbongo et bimé et belé na trésor public. Bande ko mwendo tcha onyon sou yate ango to tcheka titre wana. Ma a tozo tanga tozo landa. D'après le ministre des Finances, qui compare l'agression dans l'Est de la RDC à la crise de l'Ukraine, les dépenses dans le secteur de défense ont été multipliées par 10. La crise de l'Est est aussi une agression de même type que celle de l'Ukraine, qui nous coûte énormément. J'ai déjà eu à dire que les dépenses que nous faisons sur le volet sécuritaire ont multiplié par 8, maintenant je crois presque par 10. Chaque jour qui passe, il y a de nouvelles dépenses qui sont faites, a déclaré Nicolas Kasadi. La remontée de l'armée rwandaise M23 couvre des mouvements, un groupe terroriste issu d'une ancienne rébellion Tutsi. Vous voyez bien, Manobi, ancienne rébellion Tutsi qui occupe depuis 4 mois la Guinée frontalière après des violents combats et affrontements. Bandeko, ton développé Maloba Kasadi, ministre de la Finance, a l'oubli qui toujours dépensé. Parce que la loi de programmation militaire, il ne faut pas dépenser Mbongo et Bélé. Pona Makambo Oyo. Donc c'est ça. Donc si tu comprends, Makambo Nyonso Yo, et comme Kitoko, tu peux féliciter Bakonzi. Parce que vraiment, Balobi fois 10, fois 8, après fois 10 maintenant. Parce que tant que tu as le ministre des Finances, on a besoin de. Mais missile à boy, bibo zala pre, chèque malamo missile et kiti. On a zala besoin ya boy et kiti. Donc, dépense maintenant basa ko sala, sans hésitation. Voilà la volonté à l'État. Batye mi solo, pour la défense. Nicolas Kasadi le bango clairement na conférence, na briefing, oué le kaki ba Congolais bele boulandaki. Mais le tozo et sabine ki ba konti basa la bonne volonté. Parce que beaucoup de dépenses ou ba osa na FCC cash. L'infatia est ici. Bazu yango fois 10. Vous avez dit? Tu es un mawa. Donc, ce que vous avez là, vous avez appelé que vous avez dit que vous avez dépensé. Alors, maintenant, vous avez dit que vous armé, il faut être très fort. Vous avez repoussé l'armée rwandaise M23. Vous avez repoussé à 2 km de Bounagana. Bandeko, ils ont jeté. Bah, armes, bon, bah, ça, ma casse, bisous, c'est de 100 000 les mêmes armes. Et puis, Bokoyoka, na deuxième point, bah, toujours là, à Kibaya. Bon, bah, zolo, bah, mboka, Kibaya, bah, y'a ma kambo, toujours là, mais toujours à la pointe. Alors, bah, continuellement, que bah, dépenser pour l'intérêt de la nation, bah, dépenser pour la mboka, et plutôt d'intégrité à territoire, et ça, la main du. Voilà place Masolo et comme. Alors, toye baeti, Makambo Oyo et Kosila. Mais félicitations à Nicolas Kasadi pour chèque l'air Dios a signé. Aïe, vous le voyez devant ma Congolais. Ministre des Finances, mbote place aux arts, continue bongo pour mboka ou tozara besoin, misole bima pona est. Soda li a bien là, ta bien ma camion ce qui toko propre. Ba mona soda na soda azo bunda. Ana teni na ba. Dominoko nyoso kitoko. Félicitations. Alors, wana, ezala ki premier point, komo tika mona bino.
deuxième point. La situation tendue. Bandeko, sur toutes les lignes, sur les lignes sauf. Alors, tokenesikona deuxième point. Bandeko, point Oyo, ils assurent. Situation est attendue dans la ligne de front. Ndeto Lubawa, Fadi Sazaka, na position à 2 km de Bounangana. Bandeko, situation aux hommes, on comprend de Kézamou. Fadi, c'est parti, il va tirer les bêtes à Makina Tongo. Et puis, naba après-midi, la situation est attendue. Et puis, peuple, Bandeko, le peuple va continuer à collaborer. Peuple a eu ton moni bango bazo kima mbango bazo kena tamuge bazo kima chengero ali bazo kena chengero tam do bazo pakata donc zomo la ke kote kuna pena bazo swa biloko na bango bande ko baza en cercle ka boko mona ndenge to che yango baza vraiment en cercle zomo na porto batia opole les araba kende Rwanda ou bien Uganda porto kune za pole le me koto yo Mboka na biso moko to encercle pe na bango. Donc ba era ba ile espace za ba mboka na biso. To encercle bango très bien. Alors bazo banga mingi. Côté ya nord-est et pa wapi faire de ces progressions za makasi. Na sud-est et pa wapi to za 2 km de Bounaka. Bande ko faire de ces stratégies za kitoko. Yonzomo na situation est attendue dans tous les fonds. Bandeko, neto lobawa. La communauté internationale, baza eza ya koningana. Bazo loba clairement boko yo ki intervie à ba belge, ba lobi ki ba tika ma kamindu ki ba vande autour de la table. Eh, ma yile sili bango. Ba kop na bango nyon su ilali. Ba kongole, to sepila. Tala. Arme oyo ba oko kabiso te to aliawa ozomona bisu foto tele ma de simaya fardis il faut soutenir l'armée bandeko tozono bomba na bana bandeko ebili soki ezama kambo entre Fachi Fayulu Bem Katumbi tozala au milieu des villages bwana au milieu des villages eza bongo. Mais oyo ba attaquer mboka. Eh? Yo no ba ki, ono ba sile inventala. Ba Congolais to tika koyoka ba message wana inventor. Ce sont des mensonges. Ba zulu ka kwa ko dire ko yoka ko yoka ka manipulation. Bo tika ko landa Twitter ya inventor. Omo ba ndeka ko pa. Ba inventor. Ah, vous êtes congolais ou pas? Hein? Ah, botika makamo 23 kutuba lobi ke ba botoli bobalo. Mais vous êtes congolais? Osan amour à patrie. Hein? N'a pas exemple. Ba bien et loko no ba e ba botoli amour. Nde konazo sekayo ke loko no ba botoli. Et si yo se pelandi ko. Et ça amour ka sa contre yo a se pelakana yo ti. Hein? Yo le no su problème. Mba mumu nina no tambola na yalubi ya avu alomoni. Taratani babotoli. Yoko sepe. C'est le même exemple tozo pesa. Comment se fait-il le farde se bazana front et puis yo kongole ou yo ki message ya 1.23 na Twitter ozo yape. Moussou pe mèmè na be mission. Ah, boutika wako sabatu. Et loko mo ote 1.23. Oza kongole ou bi oza kongole. Ba lobi ke ben filtre pe me a ba journaliste ba komi. Ngam na lobi ti. To yo ki. Ke a des infiltre journaliste. Na ma kabo bo ke ba. Bande ko to pe se exemple moko. To yo ki wa ndenge Nikola Kazadi a lobi. Usoko o yo ka gite. A lobi ke on a briefing. La situation de la aide sandemo na Ukraine. Le pays est agressé. Yango eza ko affecte. Tozo bi misape na mbo. Si le gouvernement a mis un bon appui, yo si le Congolais, on sait bien que la situation est de la Ukraine, les Ukrainiens sont en moko. Malgré la puissance russe, ils résistent. Tout ça est clair.
malgré ma jipe aide, mais va résister. Mais biso sikoyo, yo congolais, osa ko trahir mboka. Non, kito kote. Et sa propriété. Alors, to zonga na mission. Le zona combat eza ya kouinda. Nete o lobawa, bazat encerclé. Oyo kaka, o baloba ke si e indi, moto si e peli. Na communauté internationale ba sala problème. Tout ça, communauté internationale za po asuka. Alors, to tanga, to avancé na deuxième point. Urgent. Situation tendue sur les lignes de front entre FARDC et les M23 à Rutshuru. Donc, situation pénale on doit comprendre que on va le bâcher yindi bandiko parce que ce que taliwana ndenge to tiena sewana. To comprendre comment ligne de front est allée. Alors, sous Yemoko, Yeme, Christian Chiwewe, ma solo propre. Nord Kivu, situation tendue sur les lignes de front entre les FARDC et les M23. La situation sécuritaire est restée tendue. C'est mardi 25 octobre 2022 sur les lignes de front entre les FARDC et les M23, territoire de Rutshuru. Des sources sur place ont rapporté que des combats se sont poursuivis entre les belligérants. Enfin, dès la matinée, ce mardi, dans le groupement de Busanza, au nord de la cité de Bunagana. Pour l'instant, la situation reste normale sur la route nationale. Du côté du front nord, Boyoka bien bandekoto, liba congolais pour quatrième paragraphe, tant à mon pied. Du côté du front nord, dans le groupement de Busanza, depuis 11h locales ce mardi, des tirs se sont entendus dans la zone de Kibaya. Zone à Kibaya et Pawabifar de Sansa, environ 2 km de Bunagana. Ndebozo monawana, nandenge to mekiko, nandenge to, na photo anenengeza, soko tali. Félicitations à Bandeko yo pour la photo yo. So tali bien. Au moins bena ke vraiment Marcel les a vrai. Farde sa lingi bangu. Bako bougete, bake ne gauche tous à la bino. Bake ne droite tous à la bino. Ah, Marcel qui toko. Bazana problème sérieux. Nde bazawan. Donc, ba congolais. Tala. Où est Zambo cannabis? Batou, il faut pas comme un point que tu meki, tu meki, tu tiki cannabis. Hein? Tu sundoli cannabis, tu kei. Bako comme un point, wana. Avançons. Aucun détail si ce tir n'est encore disponible, affirme nos sources. C'est-à-dire, FARDC aza toujours à Kibaya. Bandeko bazana Rutshuru, ba yebi Kibaya très bien. Et à 2 km de Bunagana. L'armée congolaise maintient toujours ses positions à Kibaya, autre commune à Rouge, sur le front nord, proche de Bunagana, et celle de Kabindi, sur le front ouest, dans le groupement de Tchomba. Nde bozomona na Kabindi, na groupement de Tchomba, wana na ouest, toza pe kote wana, Kabindi. Donc toza wana, dans le groupement de Djoma, une dizaine de kilomètres de Bunagana. Nde bozomo na kabine de wana FARDC azawana. Tabandeko bato bazana problème sérieux. Nde bazana na mayele sili bango. Na bo occidentaux ba yeba li yeba ka ke biso to sa négociation na bato. Avançons. Do armée azo maintenir ba poignon sa Kibaya na nord et puis na ouest à Kabindi. De pendant ce temps, le signal de mouvement des troupes de rebelles vers Tchengerero, Tamukenga, en groupement de Tchomba et de Puisa. En même temps, Bamoni ba rebelle bazo kena Tchengerero. Balona Bunagana ba ke Tchengerero pe na Tamukenga. Alors, moi, nde bozomo na ville na bazo kende kote. Mais, biloka moto ezakako, ezo yindisa, ne baza na problème. Parce que baza encerclé, eza yako yinda.
La panique était perceptible dans les agglomérations de Rubare et Kalingira, sur la nationale numéro 2, à la suite des échanges de tirs dans l'après-midi hier lundi, dans la zone de Tamugenga, 6 km de Rubare. Une localité qui reste toujours occupée par les M22. Des rebelles ont largué quelques obus et qui ont atterri dans les environs de Rubare la journée de lundi. Wana Ezaki Welega Kilubi. Alors, Bandeko, ce qu'on tali bien, tous en position bien. Ce qu'on tali kaka na carton, tali kaka, Bunagana, Kalati. Parce que mission à mission, nous sommes en Bunagana. Il y a une communauté internationale qui a tremblé. Mais ce qui fait des sabots pour la Ghana, c'est que je suis confié. Les Congolais ont gagné Les Congolais ont gagné. Eh ba, fandi stand by, bazo tala bango. Boza na place pour le kawati. Tango, tindi biso peto tindi keli bino. Oye, bino boza nango, biso peto zana. Koudu biso zana wawo le kabyo, poto repousse bino. Bandeko, masole za kitoko na terrain, me ba Kongole, to tiga ko landa, ba message ba inventor bazo pesa. Se son, bobi diable. Azaka man, akosaka toujours. Diable a pesa ka message à l'okuta. Baza batu ma pe, batu wana. Baza batu yo, to koki jamais kon loba, nazo kama. Koma yo Kongolo kon loba bien pona inventu. Ah! Donc zo seperende bande kona, so bazo dae, yo posa no a l'aise. Quel esprit! Oh, non, boete, boete, wale za foma solo. Vraiment, selon les alliés, on a fait ici. Bende le koyati. Alors, Bandeko, sans plus tarder, to yoka la situation tendue. Bon, to continue, monsieur la mission. Mesdames et messieurs, bonjour. Au Nord Kivu, la situation reste tendue et imprévisible ce mardi sous différentes lignes de front entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 dans les territoires de Rutshuru. Plusieurs sources dans la région parlent d'une reprise des affrontements vers la fin de la matinée dans le groupement Busanza au nord de Bunagana. Pendant ce temps, l'on signale des mouvements des troupes de rebelles vers Tiengerero et Tamugenga, un groupement de Djomba et Bouza. Bernardin Nyangi. La panique était perceptible dans les agglomérations de Rubare et Kalingira sur la nationale numéro 2 ce mardi matin, après des échanges de tirs dans l'après-midi hier lundi dans la zone de Tamugenga, 6 km de Rubare, une localité qui reste toujours occupée par les M23. Selon les sources de la société civile locale, aucun tir n'a été entendu dans la zone toute la nuit, après les quelques obus lancés par les rebelles et qui ont atterri dans les environs de Rubare pendant la journée hier. En ce moment, ajoute ses sources, la situation reste tendue et imprévisible dans la zone, même si la circulation reste normale sur la route nationale. Du côté du front nord, dans le groupement de Busanza, depuis 11h locales ce mardi, des tirs sont entendus dans la zone de Kibaya, environ 2 km de Bunagana. Aucun détail sur ces tirs n'est encore disponible, affirment nos sources. Précisons que l'armée congolaise maintient toujours ses positions de Kibaya sur le front nord proche de Bunagana et celle de Kabindi sur le front ouest dans le groupement de Jomba, une dizaine de kilomètres de Bunagana, Goma, Chers téléspectateurs, Tolandi Bisonios, la situation est attendue. Il y a quelques tirs ce matin, c'est mardi 25 octobre, dès que Tangiwane a quelques tirs. Mais ce qui est vrai est que Fardé Sazon maintenir ma position Nyons à 2 km de Bunagana. Tozawana na Kibaya, précisément. À l'ouest, à Tamugenga, ba rebelle bazouak bazawana na Tamugenga. Mais bazaka pour un moment, tozoze la peuple Nyons habite. Ba médecin sans frontières, ba zobi msa peuple nyon sa bimana Tamugenga. Ah, kalate! Bon, n'y sa obilo kona Tamugenga, to buto rekipera ngou lisus. Bandeko, match ezana mou mabiti.
Mais le problème au Congolais, c'est que les gens ont une information qui est tout ça qu'on va commenter mon bouéka non au moins tout le monde clairement t'as mon gars qui est pas mal mal bien basan faut des ça qui baya à Kabindi kaka côté ya t'as mon gars qui tout ça on a tout bloqué bah on les cache basan c'est clair dès qu'on monte la photo on est tout chi bah nous que pas ouat bakubimila batoyo Oba Lukaki et Panabisu, Bamba Bayebeka armée faible. Mais tous eux, ça va congoler le lot que c'était pas l'armée faible. Bakonzi Bofisio, Bazaki na terrain. Bakolonel. Bangonde. Batouba Bébissima Kaboui, Bele Bakan Kangiba. Les pays, ils ont trahi Nandinga Mukiti. Toujours récupérer Mboka. Congolais, Nazolo Bango vraiment au fond de mon cœur. Aux amis qui sont partis, surtout dans le parti au parti Sid, au parti Katumbi, au parti Boui. Awa, ma kambwa ma parti politique Ezati. Ce que ça Congolais, il faut soyez dans mon thème, le patriotisme. Tolinga Mboka. Bobo Sanano, président de la République, président Fati Bobo, ah, tout ça, il y a ma belle. Ce commandant avait l'élection à Wanande, bisome, ma journal, tous les milliers de villages, tous les masolo. Bobo Yoka. Mais ma kamba, est-ce que tous les milliers de villages, ti? Ce qui est bien, c'est que ah, tout le bien, yo sali ma belle, yo sali ma belle, yo sali bien, yo sali bien. Tous les wana, tous les bien. Bobo Mona, 2023, tous les bien. Mais autre zone le bawa, et ça m'a cambouya. Yamboka, tu coquilles jamais qu'on le bat pour la bateau. On ne peut pas. Bah ça bateau va détruire Mboka. Et comme il t'a besoin de tellement, bende le koyati. Pour mon goût, na ou ya kote libisou abima na malembe. Bandeko, pays et zala qui vraiment trahi. Ma kambo e belé. Ozo mona ke ba groupement na nyonso. O trahison salamaki. Maintenant, tozo rekipere ba kwen nyonso. To rekipere mboka. Alo bandeko. E komi tabison so to rekipere mboka ouyo. Toza la bomoko si ma ya fardisi. Alo pense ke. Batu ouyo ba rebel. Ouyo ba salibiso. Eza mawa. Mena, to repousse bango. Peut-être que tu as bango que tu continues à l'anda bango. Yango mission oyu tout ça nango. Tomeka ko développer yango parce que ça ils ont ça la soko tali bandeko. Er moko olobi ah parce que o comprendre ti. Bato basale biso mabi. Mais yo kongolo zo supporter bango. No totika. Bandeko, farde sa zoken na position kitoko. Masu makamundenge ba zoken. To yebeti la victoire zana kote na biso. Parce que to zana position de force. Ba konji ba bimise bela mbongo yo ki Nicolas Kazadi. Makamunyon se bimi po la mboka. Me to zo yeba li ka mboko très important. Eti, bendele koyati. To zana biso nyo se si ma farde si. Po to lunga itumba oyu. C'est à ce point, tu comme tika, deuxième point, tu comme kende na, troisième point. Bandeko, tu comme na point na bisou, ya. Interview ya ministre d'État belge. Bandeko bokoyo kai, mais zo salama wa. Tant bokoyo kai boluba, ah! Bandeko, sur le M23, situation à l'Est, batouni e question. Interview ya salama ki na belge. Bah, tu n'y a pas question sur où ils ont les canaës. Il y a l'objet que il faut que le gouvernement n'a pas protagoniste va vendre autour de la table. Donc, bah, j'ai mon avancement à faire d'ici. Bah, tout bah, j'ai mon accompagnement au coffre. Et ça va la monter. Bah, nous, bon, ça qui t'a coûté. Bon, voyons qu'à peine, n'a pas eu le bac au loba. Donc, au loba, ah!
Oh là là! Non! Oh, comprendre clairement et te bateau yo, complot na bango mené ebani, et comme Sony, ministre de Tabès André Flau, batoune ba question Syriam. Batoune si vous avez habité au soutenir EDC. On a évité ce toujours mon soutien. Babi Bissot mène à Parlement, toujours l'obandé pour soutenir EDC et tout ça. Après, on a toujours souhaité gouvernement n'est pas protagoniste. Donc, si on comprend bien le 1-23, la vente tout autour de la table. Donc, on a la peine à propriété. Toko Landaï, ministre d'État belge, ma cabanobi, donc on a tali na dit ah! Ce qu'on tali vraiment, bateau balingi, mboka na bisouti. Et ça possible ti. Kopé sa conseil te biso gouvernement va nous protagoniste autour de la table. Ba rebelle wana. Et ça possible te trouva na bangote. Ba toi na ba bomi mboka ouy. Tokoza na bango ensemble ti. An bango ba monike, dialogue de moutileki, ma soule salama. Non, et qu'on s'en a maté. Ce que tu tali, et pas une boca ouye ou tina de tu comme l'élo. Non. Et ça possible, t'es. Parce que bango, balingi bango, ou bango ba belge. Balobi ke, baso sunga mboka na biso. Tozo mon elo kote. Elo ni ba sungi biso. Bango koutu ba o souete pena ma beye. Et ça ma wa. Ce que tali, boko yo kato interview à la bande de kouezo sala na ma wa. Hein? Parce que bango communauté internationale bazo monaki position obisu de juif qui tous a strict donc on négocie na bango te communauté internationale bazo se perd en route bango balingi ka to négocier na M23 alors fa DC ba konja mboka baza catégorie côté to ko négocier na ba terroriste. Et puis, rapport ya o ninde un grand complot. Rapport ya o ni wana ti le lo ba condamné Rwanda ti. Publiquement, bon ami, klo ba condamné Rwanda ti. Mais le lo, ministre d'État belge, ma kamoye ko lo ba. Et moi, je salanga nzoto bien ti. Bande ko boko yoka. Allo, beli susubo. Ce n'est pas possible. Ça ne sert à rien. D'aller à l'extérieur, koloba ma be oyo bazo salabisu. Donc, ndenge fatia loba ki na Nations Unies. Ndenge fatia ki ba tuni be intervir, nde ba tuni Angleterre, parce que wana zo loba, fatia wouti na Londres, fatia lobi yango. E pa ba kondia ba Anglais. Donc, bango ba sepelte ndenga loba ki e pa roi, makambwana tout ki voilà. Aba. Donc, bango bazo sepela nango te. Se ke zo soa bango. Communauté internationale de Fatia sur le Mabé Rwanda Libanda. Bango baso sepelate. Oh. Mais pour sepelate comment? Pourquoi bozo boya? Alors que mon konza mboka sur le la vérité. Bango ba lingi bongote. Boye bien. Ce qui bo bata mi si me loko moutou moubo. Moutou en soba otanga et bien mette mezo beta tout. Tout. Bandeko. Na comprendre te. Et puis, oh, monsieur Salobi, what vous devenez pas moi après? Pour eux, ça n'a pas ma voix, il y a ma richesse dans mes sous. Alors, Toyoka, ministre d'État belge, André Flau, bon goût après, tout développer, monsieur Napso, parce que ma camba lobby, et ça y a couine. Avance. Donc, on voit clairement que complot. Et ça m'a cassé. Et ça possibilité. Boyo qui interview du ministre belge d'État, André Flau, sur guerre FARDC M23. Les FARDC ont repoussé les M23, armée rwandaise, à 2 km de Bounagana. Alors, boyo qui a réaction belge. Ba belge, ba zolinga, mon konzamboka a négocié na batouyou. Les rebelles ouyou. Et sa possibilité. Binoga communauté internationale batubu longola ki bango na 2013. Batuba ki ko batama na ngambu na ba pays voisin. Mais bino boti ki bango. Alors, bande ko boko yo ka to tira bino vi. Mais, ezo sa la propriété.
que FARDC produit les années biloko à Montezokita, te commis à quelques kilomètres ya Bunagana, bango siko mité mes abien ti va bien à Kope Koufi. Kope Koufa, mbalo yo, mbalo penda, na bo ba bata magasima na bango tout ba kopte ko kufa ekonomi ya Rwanda ko kwe ba tuana nyoso ba yiba kabalara so ba la Rwanda tout to ko rekipere ba richesse nyoso ba zo yiba na esa e desemba lo bosuki so ne ki za arrive bino fachi le regard fixi facha fixe regard bia ba tu yo na comprendre bino ma sole ba nina mindele mindele ba bi ma kope kufi alo sa plus tardi Toyoka, ministre d'État belge, André Flau, bongo, to continue mission d'action, passe ma kamalobi. Bandego, ça va vous choquer. Avance. Est-ce qu'aujourd'hui la RDC peut compter sur le soutien de la Belgique dans cette crise sécuritaire qu'elle traverse? Oui, ça a été dit et redit par les différents intervenants, ministre des Affaires étrangères, mais aussi au Parlement, on le redit régulièrement. Il faut effectivement que l'on puisse soutenir la République démocratique du Congo dans toutes les difficultés où que ça se présente, et il faut absolument que, diplomatiquement parlant, on soit un élément pour amener les protagonistes à se mettre autour des tables plutôt que de laisser parler les armes. Vous parlez des protagonistes. Aujourd'hui, la RDC accuse ouvertement son voisin, le Rwanda, de l'agresser via le M23. Comment se positionne la Belgique? La Belgique prône toujours le dialogue. Elle pose des actes sans nécessairement faire des communications à l'extérieur à l'égard des différents interlocuteurs, parce que je crois que il n'y a aucun responsable politique, et certainement pas au niveau du Congo, où on a envie que des guerres se prolongent, parce que les guerres, ce sont les populations qui en souffrent et les populations les plus faibles. Donc on a un devoir de responsable politique d'appeler, de faire toutes les pression possible et imaginable là-bas, ici, à New York et ailleurs, pour qu'on revienne à la raison et que les armes cessent et qu'on revienne à des collaborations peut-être basées sur les richesses économiques de cette région. Nous, au moment, il y a eu après la Deuxième Guerre mondiale, ici, on a recréé la communauté économique du charbon et de l'acier, on a effectivement créé le Benelux, on a créé l'Union européenne. Il y a peut-être à s'inspirer de ce que nous avons fait, parce que plutôt qu'un peuple exploite l'autre, on a utilisé les richesses communes, par exemple dans une communauté économique des pays des Grands Lacs, qui existe toujours et qui pourrait être relancée, et qui constituerait une alternative au bruit des armes. Certains de vos collègues politiques belges plaident pour une diplomatie plus active de la Belgique en faveur de la RDC. Cela reviendrait à quoi, selon vous ? Je ne sais pas quels sont les collègues qui disent ça. Moi, je ne fais pas de discours et je ne plaide pas, j'agis. Je vous remercie. Merci, je vous en prie. C'était l'invité de ce journal, le ministre d'État belgien, ce président du Parlement fédéral de la Belgique, André Flau, s'entretenait à Bruxelles avec Cynthia Bachizi Nabizana. Bandekoto, la libisonion, ce ministre belge. Il faut asseoir avec les protagonistes autour de la table, pour éviter les armes, à bien limiter le président de la République. Le président de la République a aligné Batoua Koufate. Azana posa. Mais bango ba lingite, bango ba zana besoin, ba pesa ba condition na bango. Bisoton di ma condition ba wa pesa ki? Quand même, ministre d'État belge. Bisoton di ma ba condition wana ki ba généraux rwandais, o ba zana M23, ba ko kota na FARDC. Mais bisoton ko linga ngote. Ba Congolais ba ko accepter ngote. Bah congolais, peine au caca bic rouge m'a signé non, c'est non. Au PC conseil, on le dit que beaucoup de l'ingéte peuple pas ce peuple a souffert. Toyebi. Mais bah condition bah on besoin un amour. Bah qu'elle n'a DDC, muta boy bah on a négociation. Attends bah qu'elle n'a DDC, mais bah on va l'ingé bon côté bah l'ingé bah pèse à cahier des charges na bango ya que bah généraux bah côté na arme. Bongo ministre belge, biso ton di mayango, biso kaka bazo bati, biso kato zo monate,
makambo za clair bwe kongola zo monate bakonza mboka pe bakondi mate makambo so lo bino mabete toza la clair makambo so lo bino apese conseil ke ezo mena conseil wana soko landi malembe toke ne bapone malembe malembe wana ya ba protagoniste après tant to ko yasuko na po o ya mibali bandeko ba point na ye o alubi ke to to sa dialogue to landi ya mais si ko to komi na point o ya grave bande ko to landa pa se sa somo ba richesse a EDC bisto kabula ba richesse na bango na ba pays voisin e sa mawa bango mindele ba so sepela ba le ba richesse wana et koke kosunga ba peyo sa grand lac wana me ba richesse wana to ko kabola na bango koma ah mondelo yo en tout cas bel jour yo pesinga passion sona landi makamba lobi yezu a pesi exemple ya union européenne to to comprendre abi union européenne ba ressources makamba onyo se akome to boiti nde basa ni Union Européenne muta muti basa na resource na iti bo biso sikoyo soki alobengo dans le sens que par exemple loko la biso toza na ba produit ba minier ba on ba sombaka ça va mais il n'a pas défini ba resource wane bénéficier ba on peut ba bénéficier yango mais ba bénéficier yango na ndenge nini tebi ki intervu kama ezali mwa mokuse mais ba bénéficier comment lobi que les pays de la région ba go bénéficier na richesse ou esa richesse na biso mais ba bénéficier en comment par la voie normale ou bien ka ndenga ba agression toujours mona ou ba ndeko na ngai alobi mona momo ma bébé so to bouleka ki oh ministre belge na moma ou li agression yozes ozo lobaki ba pinyo swana Uganda Rwanda ba bénéficier na ba richesse na biso non esa mubulu non richesse e koma ka ba pei wana nyoso ba e ba zui na bango ou bien koma bon soko lobi na cadre ke passe wana toza la clair a signifié te esa pena clair te maloba nai il a dit seulement que les pays de la région peuvent bénéficier de nos richesses. Mais comment va-t-on bénéficier là-haut? C'est ça le problème. Alors, maintenant, à comparer l'Union européenne, mais grand là que c'est l'Union européenne, les États de l'Afrique de l'Est, c'est l'Union européenne, bah, pays, moussou, bazan est l'autre côté. Hein? Burundi est l'autre côté. Bah, pays, moussou, est l'autre bazan en haut. Rwanda loko ni azana ngo sambisu mbala oyo ba koma mpiaka na bonyoso babata makasima Rwanda ba koma mpiaka masolo ezo ezali bandeko na ngatala batu oyo basali biso mabe mingi na landi ministre bel d'etat belge ba landi na landi na bia batu oyo na pesi ba bonne raison babi batu wana ndeko bato ba mystique oui ba mystique to landi penda mais quand aujourd'hui a idée que les protagonistes autour de la table oui on comprend bien que peuple a en situation malamouti mais toujours qu'on annonce bango ba belge pe que ba terrain a vide et ça caractère mon gega o ba ici peuple a bima ba ba zone de combat peuple azati c'est vidé ah nzambe nangai ma solo propre match à football terrain pena vide peuple azati ya te sa ministre d'état belge conseil nos pessi mais ba protagoniste pour le moment peuple azati ou buto sa mana tamungega et ou sa ma chuti parce que pour le moment terrain za vide ba ici bango fa de ce bobi mana tamungega bino nyonso et puis ba bimi comme ça va sur biloko na bango bandeko l'armée est organisée
malgré la ndenge obisoto lingana to comité mais to koma mais toujours le kambo clairement la façon dont Rwanda zo sala biso la façon dont Rwanda baza ko agresser biso un jour pays ou to koma na niveau mususu bandeko mabele Lumumba tika ekozala ya ba Congolais. Batu musuba koya ko kipa ngote illégalement par force. Avec des trucs, des dialogues ya lokuta. Fatia moni bino na miswa aigle. Ba comprendre bino, ba changer mbala mo ta major nyonso ba lomwe. Bo benga lisusu. Bo jwa su telefona, allo, allo, bo solo na. Isate. Mais pour le moment, ma solo qui toque, ma solo propre, Rwanda a certaines informations absolues. Tu effaces tout. Nos vaillants soldats vont souffrir. Mais les loyaux, ils ont vraiment direction. Bokende. Avance, mais nous sommes toujours repoussés. Et nous sommes à Kibaya. Communauté internationale, Bissosana Kibaya. Ministre d'État belge, Bissosana Kibaya. Kalate, Batouana Bakouke. Batounie, Kebamoussou, Balingi, Belgique, Asunga, Bissou, Soumakas. Yalo, Bipolaye, Yal action. Et ça répond à Kitoko. Mais ça, l'action. Action, on est au vent de la protagoniste sur la table. Ah, bandeko. Et ça ne sert à rien aller à l'extérieur Koloba Makambo Oyo. Oh. Et zo soit bango. Ndenge mokota mboka zo loba libanda. Fati continue koti kate to moni prege et zo soit communauté internationale. Et lobby Belgique et lobby Union européenne. Et zo soit bango. Bisoza pays indépendant. Tozana ma décision, tozo biso moko. Ma copa Nairobi. Bolobi aux forces régionales Bakoya. Balongoli ou Rwanda na communauté na force wana masolo koufi. Bozo monango. Tisiko. Waban. Le coup là va conduire avec une équipe en Rwanda, va zalaté. Ah, batouille, ouais. Mis sa bongo na bango. Et quand on voit tout ça, ezo sala mawa. Nazo tala nabi, ah, pays nabiso. Pende le koyati. Ma Congolais to tele ma pona mbouka. Et comme état où y biso nyonso ensemble. Tout l'ami ministre d'État belge. Tout yoki. L'interview est salami na Belgique. Et ça a été cité. Le même ministre d'État zale pena kin. A kene po koukou dana mbo so pour la belle élection. Bango ba yaka na belle élection. Mais ma kabo ya est balobati. A wouta ki pe Kinshasa. Ba Congolais tout l'anda très bien. Progression ou fardé sa zo sala sur le terrain. Bandoka Congo bazo separati. Bandoka Congo bazo ebele. Naya libanda, naya kati. Toyaka na be information pour bo yoka. Bo partager yango, bo comprendre a batu yue. Non. Tawan eza soute. Ba kosi biso mingite. Ba continue ka wokosa biso. Bandeko to telema. Pona mboka. To agir pour l'intérêt de la nation. Et comme étant Congolais, nous sommes tellement pour la mboka. Guerre en tout long. Aussi, je pense que nous sommes en train de faire des bandes. Abomba ou ponani. Abomba Rwanda ponani. C'est là où je n'ai pas compris. Pourquoi je pense que ça fait des bandes? Un dialogue à Boni Fatia Sali. Fatia Tosibino trop.
dialogue aki Luanda ki fachezo sala yango nyonso akende ti wapi Nairobi ya ba groupe armé zo banda ne batuyu ba ifi obatika ba arme bongo ba kite bunagana toso l'européen va se séparer de un complot qui se prépare mais pas kolongati ya ona tala kababuni ah bande ko bana posambuka et mon tali ba commentaire ndiko zokoma nzamba zana biso nzamba otika biso te bon yo un congolais place aux quelque part aux zones wa mapepo na mboka oza nani makamuzo mwana clair bwebe information to yanga nango po congolais comprendre. C'est assez bon. De comme il a mis sous l'émission, bon continuer à s'abonner, bon partager. Pour chez nous, ma soule Kenetina qui s'assa. Y'a un tour répété en moi. Et tout le monde, mon tonio, son thème tout dit. Assunga pour la chaîne Nakin. Pour avoir des astuces, pour aider. Congo News 24 Nakin Chassa, oh, vraiment solo! Ah, babonne! Nzaba kosuma. To continue ko supporter. Bo continue ko s'abonner massivement, partager. Au revoir. À la prochaine.